Ce qui m'a intéressée lorsque j'ai lu le contenu du programme MGA, c'est d'une part bien sûr les sujets, les thèmes qui sont abordés, mais aussi les éléments sur les intervenants, à la fois consultants mais aussi très opérationnels. Et aussi, j'y ai vu l'opportunité de prendre une petite bouffée d'oxygène, ce dont on a besoin quand on est à la tête d'une structure, parce que d'abord on est assez seul, et qu'ensuite on a besoin d'échanger avec des pairs, mais pas forcément dans un même silo professionnel. Alors HEC, pour moi, ça reste une école qui transmet tout un message. À chaque fois que je rencontre des candidats dans mon métier qui sont passés par HEC, par les cycles habituels, on les sent très imprégnés de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Et on sent aussi l'appartenance très forte. Bon, dans toutes les écoles, il y a ce sentiment-là, mais HEC, c'est très particulier. Sur l'ensemble des apports, j'ai particulièrement apprécié le projet Tutoré. Nous avons eu la chance d'avoir un intervenant, et pour avoir échangé avec d'autres groupes, c'était le cas aussi dans les autres groupes, un intervenant vraiment issu du terrain, qui nous a apporté un éclairage extrêmement intéressant à chacun, alors que les problématiques étaient très diverses, les projets étaient très différents. Mais il avait une approche très concrète, mais aussi très, j'allais presque dire, scientifique, de nos problématiques, puis il avait une façon extrêmement directe de nous mettre en face de nos responsabilités. Et ça nous a fait avancer à chaque étape, tous individuellement, de façon très importante. Et pour avoir échangé ensuite avec certaines personnes du même petit groupe, ça a fait réfléchir. Ça a eu des impacts dans les vies professionnelles de chacun de nous. Certains ont pris la décision de quitter leur entreprise parce qu'ils ont fait cette espèce de bilan d'un tiraillement entre ce qu'ils avaient envie de faire, leur vrai projet de fond, et puis ce qu'ils faisaient au quotidien. Il s'est passé quelque chose, il y a des espèces d'alchimie à la fois humaine mais aussi intellectuelle qui se sont produites. Dans la promotion à laquelle j'ai pris part, nous étions 20 personnes, d'horizons très très différents. Nous avons beaucoup échangé pendant toutes ces sessions, beaucoup. Non, l'échange était riche. Ce qui est intéressant aussi derrière ça, c'est de pouvoir poursuivre et de continuer à rester en contact. Donc sur les 20 personnes, nous sommes un petit nombre à continuer à rester en contact. Et on s'aperçoit vraiment que ce moment a un peu cristallisé des réflexions qui n'étaient peut-être pas verbalisées à l'époque et qui ont réussi à se verbaliser et a permis de créer une espèce de carrefour de pensée qu'on essaye de poursuivre. On s'est par exemple retrouvé à plusieurs à Marrakech chez l'une des participantes l'année dernière au mois de mai. Bon, là c'était beaucoup plus ludique que lié à nos cours, mais voilà, il y a un vrai plaisir et encore une fois, ça crée un réseau aussi d'entraide, hein, tout simplement. La devise d'HEC, ça a permis à un certain nombre d'entre nous d'oser se lancer soit dans une recherche personnelle très différente, ça a été le cas de certains, soit de s'exposer davantage au sein de sa propre structure, y compris au regard, j'allais dire, de ses collaborateurs, qui quelque part sont en droit de se dire qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça va changer pour nous. Et j'étais pas déçue et je la trouve extrêmement juste.